L'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Balandi émission Moseka Malheur Moderne, beauté, beauté. Voilà, comment cuisiner pour son mari congolais. Aujourd'hui, je vais vous proposer donc un tilapia rouge avec une petite sauce et comme accompagnement de la tieke. Voilà, donc je voulais dire que moi, ce que je fais pour varier, c'est vraiment de mélanger toutes les cuisines du monde. Je fouille chez les Espagnols, je fouille chez les Belges, mais il ne faut pas négliger l'Afrique. Bien souvent, les Africains, dans les mariages, on propose du buffet froid et aucun autre plat africain que le plat de son pays. Perso, je suis pour la proposition d'une dolé dans un mariage congolais, la proposition de la tieke, ablo pourquoi pas, et du tiep, et plein d'autres plats africains. Peut-être pas une dizaine, mais pourquoi pas trois plats africains. Ça permet d'apporter une diversité. Et aussi, sait-on jamais, dans nos invités, nous avons souvent des autres Africains. Donc aujourd'hui, je vais préparer ce poisson et je le proposerai à mon mari congolais avec la tieke, qui est un couscous à base de manioc. Et le goût, franchement, c'est un goût familier parce que quand on mange la chikwang, on a cette sensation, cette odeur qui est pratiquement la même. Juste la texture est différente et très agréable à la fois. Je remercie mes amis ivoiriens qui m'ont fait un jour découvrir cet attiéké. Donc aujourd'hui, je vous présente les ingrédients. Voilà, pour réaliser ce tilapia rouge avec son accompagnement d'attiéké, vous aurez besoin d'un tilapia rouge que j'ai préalablement assaisonné selon la recette de la fiche technique intitulée « Comment assaisonner des filets de pangasius ». Voilà. Donc, vous aurez besoin d'attiéké. C'est commercialisé comme ça, parfois congelé et parfois non congelé. Moi, je l'ai trouvé non congelé. Et mon choix est de le mettre, je le fais chauffer à la vapeur. Il y en a certains qui mettent ça au micro-ondes, mais moi, je ne suis pas très micro-ondes. Voilà. Ça, c'est de l'attiéké, couscous de manioc. Des cubes de tomates, des cubes d'oignons, ça c'est un oignon, ça c'est une grosse tomate, et ça c'est un gros poivron, des cubes de poivron. Dans la découpe des légumes, parfois c'est intéressant de garder la même découpe pour le visuel. Et ici on a un petit mélange, ail, persil, céleri, du sel, du poivre noir, un peu de noix de muscade et de l'huile. Voilà, c'est tout ce dont nous aurons besoin pour réaliser cette recette. Donc, vous pouvez très bien cuire votre poisson au four et faire la sauce à part. Ou alors, frire le poisson. C'est comme vous voulez. On se retrouve pour la préparation. Voilà, donc on est maintenant au fourneau. On va cuire notre petite sauce, c'est juste un petit accompagnement pour ne pas présenter le poisson comme ça sans rien. Un peu d'huile. Entre temps, notre attiéké est en train de chauffer. Je vais vous montrer ça. Moi je chauffe comme ça à la vapeur. Je vais prendre une cuillère pour un petit peu déjà tâter le terrain. Voilà, vous voyez, c'est du couscous de manioc. Regardez ce que ça donne. Je vais laisser chauffer à la vapeur. Moi, c'est vraiment ma méthode. J'aime bien à la vapeur. Les bails au micro-ondes, c'est pas trop mon truc. Hein. Regardez-moi ça, couscous de manioc. Ça sent bon, le manioc. Waouh, l'Afrique est riche. Franchement, je vais goûter. Voilà. Donc, on va poursuivre la cuisson de la petite sauce d'accompagnement. Pour ne pas présenter le poisson comme ça. La tieke, ça goûte vraiment le manioc. Hein. Il y a la petite acidité connue du manioc. Franchement, c'est bon.
un peu d'huile. On va mettre des oignons. On va les faire suer. Je vais déjà mettre un peu de sel. Moi, j'aime bien salé d'emblée, dès que je commence comme ça, pour que tout prenne le goût. Je vais mettre le petit assaisonnement. Je mets tout ce qui me reste. Ouais, j'en fais pratiquement tous les jours. Hein. Il y en a trop. Donc, ça prend le goût. Nous avons nos poivrons verts. Alors les petits dés de tomates, c'est pour vraiment apporter de la couleur, pour un petit peu égayer cette assiette. De la muscade moulue, du poivre, je vais déjà le moudre mais je mettrai à la fin. On va cuire et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, nos légumes ont bien fondu. Alors, on va mettre un petit peu d'eau. Un petit chouïa pour juste dégraisser. Voilà. Ensuite, on va mettre du poivre. Et d'ici deux petites minutes, ce sera la fin. Moi, je termine toujours, comme c'est du poisson, un petit filet de citron. Un tout petit, hein, la petite acidité là. On va mettre ça avec le poisson. C'est bon. L'abus de cuisson tue les vitamines, hein, et les bienfaits. Donc, faut cuire, mais pas non plus tout faire en mode compote. Hein. Voilà, je vous montre. Voilà. On goûte et au besoin on rectifie l'assaisonnement. Dans mon petit mélange que j'avais mis, il y a de l'ail, du persil, de bonnes choses, donc ça doit avoir un bon goût. Ça ne sera pas fade. Voilà, on se retrouve pour le dressage. Voilà, donc je tenais à dire que pour la cuisson du poisson, j'ai choisi la cuisson au four, c'est parce que c'est moins gras et c'est plus appétissant. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait mon dressage. En fait, j'ai commencé en dessous de la tieke. J'ai mis de la sauce sur toute la surface. Puis j'ai mis de la tieke au-dessus et j'ai remis de la sauce. Donc il y a une superposition pour que ce ne soit pas sec. Voilà, donc je vous montre mon poisson cuit au four. Voilà. On va essayer de retourner l'assiette. Vous voyez, c'est bien juteux à l'intérieur. On fait avec les moyens du bord. Hein. Voilà, donc... essayez de faire ça chez vous, c'est tout simple, c'est vite fait. C'est du poisson.
tilapia rouge. Si vous n'aimez pas le tilapia, vous remplacez par le poisson que vous aimez. Voilà, et là, vous voyagez en Afrique. La tieké, c'est une spécialité de la Côte d'Ivoire. C'est un genre de couscous de manioc. Je dirais qu'il a un petit goût acide qu'on trouve dans certaines chikwangs. Donc, ce ne sera pas tout à fait une information inconnue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Notre plat du jour, c'était le tilapia rouge, sa petite sauce aux légumes et son attiéké. Bon appétit! L'émission Monseca de Malheur Moderne vous dit au revoir! Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui prend l'émission Monseca de Malewa Moderne. Break, the shadow starts to fade.